Le directeur général de la Digicel confirme que les tarifs de ses services ont effectivement augmenté. Lors d'une interview exclusive accordée à Métropole ce mardi, Jean-Philippe Brun dit avoir pris cette décision en raison de l'inflation. De ce fait, la compagnie de téléphonie mobile a voulu ajuster ses prix en fonction du coût de la vie. 16,50 là, c'est prix, c'est prix minute là, le monde n'a pas gagné en plan. Ce qui veut dire que le monde a gagné en possibilité que il n'a pas acheté en plan pour journée, mais il voulait placer un appel quand même. S'il voulait placer appel ça sans pas acheter en plan, effectivement, il va le payer un tarif qui est 16,50. Faut me dire que minute ça, il est facturé à la seconde. Ce qui veut dire que si moun la ta gen moins que 16,50, ça pas veut dire que le pape a fait appel, c'est juste que le pape a fait en minute complète. C'est pas un bagage qui arrive brusquement, j'aime dire noir, c'est un bagage qui évolue au cours du temps. Faut me dire que montant que moun te songé à que moun connaît qui rete dans tête yo, c'était montant 5 gouttes par minute là qui était depuis lancement Digicel là. Au cours des années, ça son montant qui était évolué, qui premièrement est arrivé à 8 gourdes, ensuite à 10 gourdes, ensuite à même 12 gourdes et ensuite à 16 gourdes 50. Faut me dire nous que la partie qui est importante, c'est que c'est un bagage qui n'est pas différent de l'inflation que nous avons sous pays en général. L'année dernière, nous avons songé ça par exemple, où il y a un prix gaz qui doublait et sous marché haïtien. Et comme la majorité de nous connaît, 100% de sites Digicel fonctionnaient avec des génératrices à diesel. Et nous avons vu un changement en termes de prix à travers tout l'autre secteur dans le pays. Au niveau des produits alimentaires, c'est la même inflation ça que nous avons à cause d'un environnement qui changeait de façon drastique. Je dis à là où il y a des problèmes graves de sécurité à travers le pays. Côté qu'un technicien qui a 5-10 ans de ça, tu es qu'à aller et pour faire travailler sur le réseau à chaque jour. Je dis à là, et en compagnie de télécommunications par exemple, obligé de mobiliser des escortes, la police, obligé de mobiliser des machines blindées, obligé de mobiliser toute qualité de ressources additionnelles pour faire un travail qui était habituel. Et ça, c'est en conséquence de l'environnement nous dans le pays en général. Et en termes de importation, par exemple, okay, l'État saute annoncé que pour avoir des augmentations sous impôts qui ont à voir avec l'importation de conteneurs. C'est des bagailles qui affectent toute compagnie, y compris Digicel, et il y a des ajustements qui doivent être faits en général. Ceci dit, j'aimerais dire nous, nous ne voulons pas rester juste dans une logique côté que nous juste changer prix. C'est pour ça que nous créons des plans, c'est pour ça que nous bâillons des options qui permettent de gagner un bagage qui en parallèle avec ça qui a privé sur le marché. Parce que si nous ne faisons pas ça, qui ça qui t'a privé, c'est que nous n'avons pas gagné des minutes additionnelles, nous avons juste payé plus cher et nous avons retrouvé dans une situation que nous n'avons pas communiqué les gens qui voulaient. Et avant notre ça a sorti dans les réseaux sociaux, des plans que nous avons lancés qui étaient un tarif de 50 centimes la minute, que malheureusement personne n'a pas parlé de lui, mais tout le monde est focalisé sur le compte principal là, qui représentait 4% de trafic appel yo, et à 16,50 là. Si je dis à un client, par exemple, qui a un petit bourse, qui a acheté un plan pour 9 gouttes qui tabale 6 minutes, okay, ça veut dire qui ça? Ça veut dire un tarif de 1,50 gouttes. Et en même temps, s'il voulait acheter un plan qui est illimité pour journée, il a payé 65 gouttes et puis il a fait appel illimité pour journée. Nous avons toute qualité d'option pour que les clients aient un choix. Et c'est des bagages que nous sommes obligés de faire face à la situation inflation pays en général. Mais en même temps, pour nous, les clients ont beaucoup plus de flexibilité.